Hello, everyone. A very, very warm welcome to this virtual conversation being hosted by the Legal West Africa Legal Empowerment Initiative. I'm Amina Hanga, the Executive Secretary for Isawali Empowerment Initiative based in Kano, Nigeria. But before I start, I'd like to share with you that we have simultaneous interpretation in English and French. If you're using a computer, please click the interpretation button at the bottom right of your Zoom screen. You'll see a globe icon. Everybody needs to choose. So I'll just pause here for a few seconds so that we can hear the French interpretation and give people the chance to make their selections. So I will repeat again for the purpose of the interpreter. I was saying that we're having simultaneous interpretation in English and French, and you should look at the bottom right-hand screen of your Zoom screen. You will see the interpretation button. It's a globe icon. So make your selection, but everybody has to select a language. I believe we're good to go. In October 2019, Isawali Empowerment Initiative, with support from MacArthur Foundation, collaborated with Justice Empowerment Initiatives. And Amati Kenya to partner with the Legal Aid Council of Nigeria que les parajuristes et les organisations d'éducation juridique peuvent to hold the very first National Paralegal Summit in Abuja, Nigeria. It was during this meeting that we began a small conversation among three organizations. On what paralegals and legal empowerment organizations could learn from each other in the West African region. Et enseigner dans la région de l'Afrique de l'Ouest. In 2020, due to COVID, à l'année 2020, à cause de COVID-19, our first inaugural West Africa Legal Empowerment Summit was held virtually. Notre première conférence during which legal empowerment organizations identified regular exchanges as an important starting point for regional conversations and collaborations. Durant laquelle les organisations ont décidé que c'est important de commencer à échanger ou à faire des échanges réguliers entre les organisations pour permettre à ces organisations throughout 2021, entre elles, et travailler ensemble. Throughout 2021, we held several virtual learning exchanges with both English and French speaking countries in West Africa. Et dans l'année 2021, nous avons aussi échangé avec plusieurs organisations
Plusieurs organisations en ligne durant laquelle nous avons aussi décidé discussions ensemble focused. Avec les organisations francophones et anglophones, nous avons décidé ensemble. Discussions et, focused on the relationship between paralegal support organizations and their associated community-based paralegals. Ok, cette discussion était tenue entre les parajuristes et les organisations sous-régionales concernant la justice, concernant la justice dans la sous-région. And how we could use legal empowerment strategies in gender justice. Sorry, what we're going to do is, I'm really sorry for that. We have there's a mix in the interpretation. We'll have to put the interpreters in the right room so that it's simultaneous interpretation. I'm sorry, everybody, please bear with us for 1 minute. Okay, je disais que... Okay, just let me know when I can continue. Okay, je peux continuer, mais je peux continuer à l'interprétation? No, attends, because we have to change interpretation lines. Thank you. Okay. We can try it now. Okay. So in 2020, due to COVID, our first inaugural West Africa Legal Empowerment Summit was held virtually, during which legal empowerment organizations identified regular exchanges as an important starting point for regional conversations and collaborations. Throughout 2021, we held several virtual learning exchanges with both English and French speaking countries in West Africa. And our discussions focused on the relationship between paralegal support organizations and their associated community-based paralegals, and how we could use our legal empowerment strategies in gender justice, land and natural resource governance matters. With the relaxation of the COVID rules, we met for the first time in March this year. Over 50 legal empowerment practitioners from 15 countries in West Africa had in-depth discussions in the hopes of furthering a joint regional legal empowerment agenda. At the conclusion of the regional meeting, organizations present made justice commitments that were captured in the Lagos Declaration on Community-Driven Justice. The link will be shared in the chat box so that you could read up more about it. And this conference virtuelle, et à cela nous avons appelé la déclaration de Lagos sur les communautés dirigées par une justice. Donc, builds up on our regional discussions and focuses on one of our areas of interest. Et notre conférence aujourd'hui. Notre conférence d'aujourd'hui est intitulée
to harness community power to address a wide range of injustices. Éduquer des communautés pour combattre l'injustice. Éduquer des communautés pour combattre l'injustice. Quelle stratégie ou approche de travail? Et nos panélistes seront en mesure de partager comment l'éducation juridique avec des stratégies bien montées peuvent aider les communautés à surmonter les injustices qu'elles font face dans les communautés des bidonvilles. Et à partir de cette conférence, nous serons en mesure de comprendre ce que c'est éduquer une communauté à combattre l'injustice. Et être en mesure de réparer certains problèmes par rapport à l'injustice dans leur communauté. Voilà, nous aurons plusieurs panélistes. Nous avons plusieurs panélistes et nous commençons à présenter nos panélistes. Messan et Jacqueline vont commencer. Messan et Jacqueline, vous pouvez commencer à vous présenter. Est-ce que vous êtes là, Messan et Jacqueline? Messan et Jacqueline, on ne vous entend pas. Pouvez-vous vous présenter? Donc, si Messan n'est pas là, Tadi fait... Yes. Tadi ou Tadi, je ne sais pas. Maintenant, activez les vidéos. Activez les vidéos. Okay. Les vidéos là. Vous pouvez pousser ici. D'accord, allez-y. Alors, bonjour à tous. Oui, Messan, bonjour. Comment allez-vous? Je m'appelle Kounangbe Messan et coordonnateur du programme de JEI au Bénin. Je suis avec Madame Jacqueline qui va se présenter maintenant. Oui, ici c'est Madame Gosu Jacqueline, parajuriste de Cotonou. Voilà pour la présentation. Merci. So give us a brief introduction about your organization and the country. Pouvez-vous nous donner une petite introduction de quelques minutes concernant votre organisation? Pouvez-vous nous parler de quelques minutes sur votre organisation, Messan et Jacqueline? Quelques risques, vous avez dit. Non, pouvez-vous nous donner en quelques mots ce que c'est votre organisation? I don't know, there seems to be Messan, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous remercie. C'est que je n'entendais pas bien la question, toutes mes excuses. Alors, Justice and Empowerment Initiative est une ONG de défense des droits de l'homme installée au Nigeria et au Bénin. Human Rights. Nigeria, il a deux sièges, à savoir Port-à-Prince et puis Lagos, et à Cotonou aussi. Alors, nous appuyons le travail de communautés bidonvilles à Cotonou ici, particulièrement pour leur donner l'autonomisation, le pouvoir de défendre leur cause, souvent passe à l'administration, béninoise, et nous donnons des formations parajuristes et de défenseurs de la santé communautaire. Nous appuyons les communautés, les parajuristes
à faire de la sensibilisation communautaire sur ce que dit la loi, ce qui concerne leurs droits. Nos sensibilisations sont faites sous trois formes. D'abord, nous faisons sensibilisation à grand public par projection de vidéos pour apprendre aux communautés. Nous regroupons également les communautés pendant lesquelles les périodes pendant lesquelles les parajudices présentent des sujets de droit concernant ces communautés. Work, par ailleurs, nous faisons également du théâtre pour montrer aux communautés leurs droits et leurs devoirs dans la société. Alors, nous utilisons aussi d'autres modes alternatifs de règlement des conflits pour régler certains cas. Aussi, parfois, des gens ont des problèmes, veulent avoir accès à la justice ou à des services administratifs. Nous les accompagnons, nous les orientons, nous les conseillons juridiquement à pouvoir avoir accès à la justice en les aidant à rédiger des actes de requête d'assignation et bien d'autres, voire des plaintes pour saisir la justice dans des cas dans lesquels ils sont, leurs droits sont violés. Donc voilà à peu près certaines choses que nous faisons. Mais en dehors de nous, nous développons plusieurs sujets de droits, des droits de l'homme en général, mais l'accès à la justice est la chose capitale dans laquelle nous fonctionnons avec les communautés. Merci. You can notice this. Sorry, Mason, yeah. Okay. Thank you, Mason. I don't know, Jacqueline, do you want to say anything? Or if not, we move on to Thadi. Jacqueline, si tu as quelque chose à ajouter, sinon on bouge, on va à Thadi. Thadi? Thadi? Oui. The floor is yours. Oh, it's Mason, sorry. Mason, are you going to say something? Jacqueline? Mason, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, hey, oui. Jacqueline? Oui. Dis quelque chose. À notre niveau, dans la communauté, nous organisons des sensibilisations au niveau des membres de la communauté. Nous faisons les cartographies de services, les cartographies de limites pour pouvoir se prendre par rapport aux menaces du gouvernement lors de déguerpissement. Donc, travaux nous faisons dans les communautés. Nous organisons aussi un groupe de failles pour pouvoir se voir chaque mois ou chaque semaine pour nous revoir ou bien pour contribuer aux objectifs de nos communautés. Okay. Thanks, Mason and Jacqueline. Merci beaucoup, Mason et Jacqueline. Thadi, présentez-vous, Thadi, ton nom, ton pays et puis le nom de ton organisation. Tu as 2 minutes. Thadi, tu as la parole. Bien. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Moi, c'est Thadi Adjumasek. Je viens du Sénégal. Je suis chargé de projet senior à Natural Justice. Donc, Natural Justice, certainement, comme vous le savez, est une organisation basée en Afrique et qui intervient principalement dans 3 zones en Afrique. Donc, nous sommes présents en Afrique du Sud, en Afrique du Centre et un peu pour ce que j'appellerais le hub Afrique francophone. Et j'appartiens à ce hub-là. Et ce hub polarise les pays tels que le Sénégal, la Guinée, le Madagascar, le Nigeria, le Burkina pour le moment. Alors, je suis aussi chargé de superviser le processus d'autonomisation juridique au niveau de ce community, spécialement au Sénégal. Donc, voici ce que je peux dire comme introduction.
voilà, en attendant d'interagir avec vous. Merci. OK. Merci. Merci beaucoup. Nous allons vous rappeler après. We'd love to hear from you. And then after Evans, Daphne, you'll be next. So Evans, the floor is yours. Evans, tu as la parole. Je m'appelle Evans. I work for an organization called Akiba Mashinani Trust, which is. Je m'appelle Evans Obile. Je travaille dans une organisation Akiba Mashinani Trust de Kenya. Et qu'est-ce que fait Akiba Mashinani? C'est une organisation qui travaille dans les bidonvilles pour éduquer les gens des bidonvilles à comprendre leur comment ils peuvent se développer financièrement pour devenir autonomes. Nous les enseignons, nous les éduquons et nous jouons aussi le rôle d'être un pont entre ces communautés de bidonvilles avec le gouvernement. Voilà l'information générale que je pouvais donner pour notre organisation. Donc notre souci, c'est que de voir les communautés de bidonvilles devenir financièrement indépendantes, autonomes. Et comme ils sont des gens qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes, nous sommes là pour parler à leur compte. Et nous avons découvert qu'ils ont beaucoup de capacités depuis que nous travaillons avec eux. Donc, jusque-là, maintenant, nous observons que ces communautés de bidonvilles ont commencé à se développer. Merci beaucoup. Brief introduction about your organization and your understanding of what community power is. Donc, aussi, nous donnons la parole à Daphne. Donc, présentez-vous. Je suis Daphne Lariba. Je travaille à Legal Resource Center Ghana. Et notre objectif principal, c'est d'enseigner et former les parajuristes. Donc, donner les gens des bidonvilles, comme nous les connaissons, ils sont incapables de se prendre en charge. Nous sommes là pour les aider à se prendre en charge, en les éduquant, en les enseignant, en leur donnant tous les moyens possibles qu'ils ont besoin pour leur épanouissement. Nous jouons aussi le rôle de pont entre ces communautés de bidonvilles et le gouvernement. Si nous sommes incapables de notre côté, le gouvernement est là. C'est pourquoi nous travaillons main dans la main avec le gouvernement pour s'assurer que ces communautés reçoivent l'éducation nécessaire. Quand nous parlons de l'éducation des communautés, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Nous sommes là pour identifier les personnes qui vivent dans les communautés. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de potentialités, mais il faut les identifier et leur donner les rôles, ou bien leur donner les moyens nécessaires afin de jouer ces rôles-là qui est important pour le développement de leur communauté. Donc, voilà comment nous travaillons avec les communautés en association avec les communes rurales. Local government agencies. Notre souci, c'est de voir comment ces communautés
travaillent ensemble avec les pouvoirs en place, les pouvoirs locaux. Et dans l'objectif de voir que les routes sont construites, les conditions de vie, c'est-à-dire les mesures nécessaires de la société ou de la communauté sont réunies. Et nous passons directement à la parole. Qu'est-ce que vous connaissez? Oui, nous passons la parole à Aïcha. Donc, c'est à toi de nous présenter. Vous êtes d'où? Quel est le nom de votre organisation? Aïcha, à toi la parole. Ok. Good afternoon. For those who are in afternoon, good morning. For those who are morning. My name is Aïcha. Okay. Je m'appelle Aïcha. I work with Namati. Je travaille à Namati. Namati is a legal employment organization. Et comme nous savons, Namati est une organisation non gouvernementale qui forme. Believes in the world of. Moins privilégié dans le domaine de l'éducation et de la justice. So we advance social, which might be citizenship, health, nous sommes là comme des conseillers dans les communautés. And environmental justice issues. Et by building a movement of people. La justice est faite à toutes les couches de la shape the system. And knowing is a journey of understanding. To get to know the respective laws of interest, and then using those laws in order to be able to identify nous gaps. Sommes là aussi pour aider and les in future, we push for change. Des communautés de bidonville, be able to push for systemic change. You're able aussi to offer des, during policy formulation. Your thoughts from prêts, experience prêts, and the gaps identified. Petite somme. Qui peuvent leur permettre de s'engager dans des activités commerciales pour les rendre autonomes financièrement. Pour moi, community power is the ability to equip communities à crédit with the necessary legal knowledge, skills, and tools that would enable them to agitate or advocate souci, against any injustices that they experience. Devenir autonome, so for now, that is all I have. Financièrement, et aussi, connaître les droits. Merci, Aïcha, et merci à tout le monde. Ce que j'ai compris d'Aïcha, c'est que votre organisation travaille dans le sens d'aider les communautés pour travailler aussi dans le sens de les mobiliser pour prendre des actions qui vont les aider à s'épanouir et qu'ils puissent aussi devenir des communautés autonomes comme toutes les autres. Et je voulais ici rappeler à tout le monde, vous pouvez commencer à faire votre commentaire en ligne, si vous voulez. Et maintenant, de là, nous voulons aller maintenant en profondeur pour comprendre ce que c'est l'éduquer les communautés pour combattre l'injustice. Nous voulons là comprendre ça en profondeur. Donc, là, nous parlons des stratégies ou approches de travail. Et là, nous remettons la parole à Aïcha. Parlez-nous un peu des stratégies ou approches de travail par rapport à votre organisation. Aïcha. Aïcha will be Mason and Jacqueline. Et après, Aïcha, nous donnerons la parole à Messan et Jacqueline. In respect to
appreciate that we are going to maintain 15 minutes. I'm going to just highlight. It's not so clear. I would really appreciate to get questions. MMC has various departments, and among them, citizenship department. And we work with within Kenya and Bangladesh. Nous avons plusieurs départements dans notre organisation, dans notre ONG. Et ici, je précise, nous travaillons. Nous travaillons avec les gouvernements, de la main avec les gouvernements et avec différentes communautés religieuses. The Nubian community came into Kenya maybe 100 plus years. And they were forcibly migrated by the British colony. And British soldiers, or others referred to as two rifles. And they came in during the colonial era. Une bonne expérience avec ces différentes communautés. As a republic, they were able to divide Kenya into ethnics and also administrative borders. Et dans notre organisation, le travail que nous avons fait, then divide us into 43 ethnic communities. Nous sommes capables de définir clairement 42 communautés that were settled at the heart ethniques of our capital city. Au niveau de notre capitale, qui est Nairobi. And capital city Nairobi is a cosmopolitan. Et maintenant, au niveau de capitale de Nairobi, c'était so no une ville qui regorge plusieurs communautés différentes ethniques. Or the demarcations of the Nairobi county be under the Nubian community. So that the team of the British were even. C'est de nous assurer que toutes les communautés ethniques to be recognized as some of them British citizens. They weren't British citizens, nor were they in any of the demarcations that could qualify them among the 43 ethnic communities in Kenya. C'est ça notre objectif. And now we had subsequent governments that maintained the administrative borders, maintained the 43 ethnic communities. Nous travaillons avec la main avec le gouvernement pour s'assurer que le gouvernement in our constitution. Now we've grown to jouer son rôle with the various advocacies, some communities like settler communities are hardly included. Pour le soutien de ces communautés, donc notre rôle c'est vraiment de... Notre rôle ici avec le gouvernement, c'est de plaidoyer ces éléments. Des plaidoyers pour les communautés des mini, les communautés des bidonvilles, constituées, comme j'avais dit, de plusieurs ethnies, et ces communautés, que le gouvernement puisse voir aussi les besoins de ces communautés, afin de leur épanouissement. Voilà ce que j'avais à ajouter dans les second point. Notre rôle que nous jouons comme un pont entre nous et les organisations et les communautés locales composées de plusieurs ethnies. Au niveau de Nairobi, qui est une grande ville métropolitaine avec plusieurs ethnies, c'est ça notre rôle dans notre organisation que nous jouons. Voilà. Pour continuer, auparavant, ces communautés étaient abandonnées à leur triste sort. Ils n'étaient pas reconnus, ils n'étaient pas organisés. Mais depuis que nous avons commencé, ces organisations, ces communautés, pardon, sont devenues organisées. Et là, nous comptons plus de 5 millions de citoyens kenyans. Et là, nous étions capables de les identifier et leur donner les cartes d'identité.
à cause de notre organisation, ces gens ont été identifiés. Aujourd'hui, ils peuvent maintenant avoir les cartes d'identité et être reconnus au niveau du gouvernement. Je crois que c'était un point capital. Lorsqu'ils sont identifiés, pour que le gouvernement maintenant soit en mesure de savoir leur nombre et travailler pour leur développement. Et là, au niveau de notre organisation, nous avons travaillé durement. Nous avons travaillé durement. Et cela nous a pris beaucoup de temps. Mais finalement, ces communautés qui n'avaient pas d'accès à l'éducation, ces communautés qui n'avaient pas de liberté de mouvement, ces communautés qui n'avaient pas le choix des leaders de leur choix, de voter pardon, pour les leaders de leur choix, ces communautés, à cause du fait que nous étions capables de les identifier et les organiser, maintenant ils sont en mesure de partir de toutes les bases qui sont nécessaires pour faire leur choix concernant leurs leaders, pour organiser leur communauté, peu importe l'origine ethnique et religieuse de ces communautés. Je me rappelle dans les communautés que nous avons constituées, les communautés de leaders, bien sûr, nous avons essayé d'organiser ou bien d'inclure, toutes les personnalités qui sont nécessaires dans les communautés pour constituer ces communautés. Et à partir de ces communautés, représentent les communautés locales au niveau du gouvernement. Et notre organisation travaille avec les leaders de ces communautés ici au niveau de Nairobi et au Kenya. Et nous avons formé des communautés de parajuristes qui ont été formés spécialement dans le domaine de la citoyenneté, comment être enregistré au niveau des communautés locales, communautés gouvernementales locales, comment travailler ensemble avec les autorités locales qui représentent le gouvernement. Et à partir de ces communautés qui ont été formées par notre organisation, il y a des représentations des milliers de parajuristes qui ont abattu un travail très capital, très important, qui a fait aujourd'hui, avec les nombres en appui, les chiffres en appui, que nous avons, le gouvernement peut être maintenant en mesure d'apporter leur assistance au niveau de ces communautés. Et ici, je voulais faire une remarque. Quand les gens parlent de discrimination, qu'est-ce que c'est une discrimination? Une discrimination par rapport à l'ethnie, par rapport à la religion? Oui, à ce niveau-là, nous avons été à mesure.
et donner les gens une éducation civique pour comprendre ce que c'est une discrimination au niveau de la religion et au niveau de l'ethnie. Et juridiquement parlant, ce sont des fautes qui ne peuvent pas être tolérées au niveau du gouvernement. Et à la fin de toutes choses, nous avons compris que nous avons bâti des communautés qui sont devenues des communautés majeures. Et notre travail par rapport aux communautés marginalisées, aujourd'hui, est remarquable au niveau de Nairobi. Et aujourd'hui, le gouvernement reconnaît ces communautés. Le gouvernement peut faire quelque chose pour ces communautés. Parce que ces gens de ces communautés ont compris leurs droits, ils ont compris. Ce que nous les avons enseigné, et ils ont compris leur rôle pour ceux qui sont devenus des paragyristes de leur communauté, et ils sont en train de jouer ces rôles-là pour le bien-être de leur communauté. Et comme il y avait besoin pour eux d'éducation, par rapport aux défis qui les guettaient dans leur communauté, et avec leur collaboration, en tout cas, les résultats aujourd'hui sont remarquables. Et pour conclure, je voulais dire que d'une façon globale, nous avons compris que, en concluant mon message, nous avons compris à la fin que nous avons abattu un travail qui était vraiment remarquable. Et aujourd'hui, les confessions ou bien les membres de communautés qui sont des confessions islamiques, par exemple, qui se croient être marginalisés aujourd'hui quand même. Ils ont compris qu'ils ne sont plus des victimes de marginalisation. Et par ajout, ce que nous avons formé dans les communautés, travaille de façon que différents groupes ethniques et religieuses commence à vivre en harmonie dans un seul objectif qui est le développement de leur communauté. Nous avons réussi à faire en sorte que ces gens de communauté qui sont de différentes ethnies et de différentes origines religieuses, avec le travail que nous avons bâti, nous avons compris que ces gens-là, maintenant, ont mis de côté leur tendance qui les divisait avant, c'est-à-dire la religion, et ont commencé maintenant à vivre en harmonie pour bâtir leur communauté. Et aujourd'hui, ce que nous avons observé, il y a plus de chances de travailler avec ces communautés. Et nous croyons continuer à former plusieurs paragyristes qui vont jouer le rôle des ambassadeurs entre notre organisation et leur communauté dans un but de changer les systèmes qui n'étaient pas un bon système, dans un système qui sera un système de développement à travers les plaidoyers, à travers
les conférences dans les communautés à travers une éducation de toutes sortes. Ces gens que nous avons formés, qui sont comme des ambassadeurs de leur communauté, nous les donnons beaucoup de moyens pour jouer bien leur rôle comme ambassadeurs dans leur communauté et dans un seul souci, celui d'améliorer nos conditions de vie dans leur communauté. Et depuis que nous avons commencé à travailler dans cette communauté depuis 2012, nous avons observé une grande transition maintenant au Kenya. Il y a une grande transition, un grand mouvement de changement par rapport, aux conditions que nous avons trouvées au début de l'année 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et cela constitue une fierté pour notre organisation. Et nous continuons à travailler afin que de combattre toutes formes de discrimination et de s'assurer que les bien-aimés dans ces communautés sont traités comme des personnes, comme toutes les autres personnes, voilà, comme toutes les autres personnes. Nous les avons formés afin d'être capable de faire le bilan de leur communauté, de faire le bilan de sorte qu'ils soient en mesure d'identifier tous les problèmes qui sont là dans leur communauté. Et quand ils identifient tous les problèmes qui les concernent dans leur communauté, il y a plusieurs problèmes, comme nous les connaissons, des problèmes d'organisation dans les communautés. C'est à eux d'identifier ce problème-là. Et une fois que les problèmes sont identifiés, nous écrivons des pétitions, c'est-à-dire nous, ensemble avec eux, nous écrivons des pétitions pour dénoncer ce qui ne marche pas. Et parfois, nous descendons même au niveau du tribunal avec les ambassadeurs que nous avons formés, les ambassadeurs des communautés, avec nous, traduisons certaines autorités au niveau des justices et aujourd'hui, ces gens-là, ce que nous appelons les ambassadeurs, sont maintenant à mesure de s'élever et de dénoncer chose qui n'était pas facile lorsque nous avons au début commencé notre travail avec cette communauté. Et aujourd'hui, ces gens sont devenus indépendants, sont devenus autonomes. Et là, je voulais rappeler à Aïcha, vous avez consommé votre temps de 15 minutes. Donc, veuillez conclure. Et dans ma conclusion, je veux dire ceci, nous croyons vraiment, nous avons l'espoir, nous avons la confiance, nous avons la confiance que ces gens avec qui nous travaillons aujourd'hui, vont devenir des gens qui seront autonomes, qui seront prêts à défendre leur communauté. Il sera en mesure de dénoncer ce qui ne marche pas dans leur communauté, de dénoncer les injustices, et à la fin, un seul objectif, c'est le développement des communautés. Merci beaucoup, Aïcha.
Aïcha, te disons merci. Et je crois que tout le monde a compris votre message. Ce que j'ai compris dans votre message, Aïcha, si les gens veulent un changement dans leur communauté, ils doivent eux-mêmes être impliqués. Et là, je vois que les gens dans cette communauté ont été impliqués dans votre démarche. Ils étaient impliqués parce que je vois ici, ils ont été formés comme étant des parajuristes dans des comités que vous avez appelés les ambassadeurs. Et ces ambassadeurs ont été à mesure de faire de prélever les données dans les communautés, les données chiffrées, qui a prouvé au niveau des autorités et leur permettre d'apporter un changement dans leur communauté. Et je voudrais. J'ai reçu un message de Tade. Donc, je crois qu'après, nous allons maintenant passer la parole à Messan et Jacqueline. Ok, voilà. Donc, il y a un petit changement. Je crois que Tade va commencer son message avant que Messan et Jacqueline puissent prendre la parole. Okay. Alors, merci beaucoup. Donc, Tade, tu as 15 minutes pour commencer ton message. OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Amina. Merci beaucoup à Aïcha et aux autres collègues pour les excellentes présentations. Alors, tout à l'heure, je n'avais pas l'opportunité de me prononcer sur le pouvoir communautaire. C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas pu réagir. Je voudrais le faire avant d'entamer ma présentation. Alors, sur la définition du pouvoir communautaire, j'avoue que quand la question m'était posée, c'était un peu difficile pour moi d'y répondre, même si j'ai plutôt l'habitude d'aborder ces questions-là. Mais lorsque vient le moment de le définir, c'était assez compliqué. Et cela m'a poussé à me poser une autre question. Peut-on parler de pouvoir communautaire dans un État unitaire, hyper centralisé et qui ne laisse aucune autonomie aux communautés? Alors, cette question, cela m'a traversé pendant toute la semaine, ça a traversé mon esprit pendant toute la semaine. Et la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est que, en réalité, lorsqu'on fait l'expérience de notre terrain, on se rend compte que les communautés ont un pouvoir intrinsèque, c'est-à-dire la communauté elle-même, en dehors de toute consécration de l'État, en dehors de toute reconnaissance par la loi, la communauté a par elle-même un pouvoir qui lui est intrinsèque. Ce pouvoir, c'est quoi? On parle de, pour moi, pouvoir communautaire, la capacité d'une communauté à s'auto-organiser et à pouvoir influencer sur les décisions qui les impactent. Dès lors, lorsqu'une communauté a cette capacité, on peut considérer au moins qu'il y a un pouvoir communautaire que je vais appeler résiduel. Maintenant, ce pouvoir communautaire, il peut être renforcé par une loi qui reconnaît par exemple, un pouvoir de décision à une communauté, comme aussi ce pouvoir, il peut être fragilisé par une loi ou par des pratiques administratives. Et c'est à cela que nous assistons. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que l'État, ou en tout cas les autorités exécutives, tente de dénier ou bien d'arracher ce pouvoir des mains des communautés. Et notre travail, justement, à nous, ce n'est pas de créer ce pouvoir-là, mais de remettre ce pouvoir entre les mains des communautés afin qu'à travers l'autonomisation juridique, elle puisse s'affirmer. Donc ça, c'est ma conviction et c'est comme ça que nous le concevons, en tout cas, ici à Natural Justice au Sénégal. Et pour venir justement à Natural Justice au Sénégal, alors nous, au Sénégal, nous travaillons spécifiquement sur les questions environnementale et tout notre processus d'autonomisation juridique tourne autour de la question des droits environnementaux. Donc, comment faire pour que les communautés puissent exercer, leurs droits environnementaux, que ce soit leur droit à la participation, leur droit d'accès à la justice environnementale, leur droit à vivre dans un environnement sain, un environnement intègre. Et par rapport à cela, Natural Justice intervient au Sénégal depuis 2018
Et actuellement, nous sommes présents dans 5 zones. 5 zones, je peux dire, qui présentent chacune une spécificité. Je ne pourrai pas toutes les présenter, mais je vais plutôt vous parler d'un cas spécifique qui est très préoccupant. C'est le cas de Barnier, certainement, vous l'avez constaté. Donc, Barnier, c'est une communauté de pêcheurs qui est dans la région de Dakar. Et cette communauté de pêcheurs qui vit là-bas depuis très longtemps est menacée par plusieurs projets industriels. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis quelques années, on a constaté la volonté du gouvernement à faire de cette zone une zone industrielle. Ainsi, on constate la présence de plusieurs industries telles qu'un complexe sidérurgique, une centrale à charbon, un port minéralier et vraquier et un pôle urbain que vous entendez souvent parler, qui est le port urbain de Niamniadio. Ainsi, Barnier est encerclé de toutes parts. Si j'avais l'opportunité de présenter la carte, ce serait beaucoup plus clair pour vous. Désolé, Amina, j'ai partagé sans demander l'autorisation, mais je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, cette carte que vous voyez, donc vous voyez ici un petit point là où vit la communauté. Et tout autour, vous avez les projets. Donc ici, avec ce petit pictogramme, vous avez le port minéralier et vraquier. Derrière, vous avez le port urbain. Ici, on n'a pas loin une cimenterie, une carrière pour une cimenterie. Et ici, vous avez ce cosim. Et quelque part, ici, vous avez la centrale à charbon. Et de l'autre côté, la communauté aussi subit les régions côtières. Donc, c'est comme s'il y avait un rouleau compresseur qui s'abat sur cette communauté sans qu'elle ait la possibilité de s'arracher. Et le plus grave dans tout cela, c'est que les droits fonciers des communautés ne sont pas respectés sous prétexte qu'elles détiennent des titres fonciers qui sont, des titres qui sont plus ou moins précaires et qui ne donnent pas lieu à une indemnisation. Alors, cette communauté est en train de se débattre depuis plus de 10 ans maintenant contre tous ces projets-là, de discussion en discussion avec les autorités. Le problème n'arrive pas à se résoudre. Notre intervention dans cette zone a commencé en 2018. Lorsque nous commencions en 2018, la communauté était désemparée puisqu'elle avait eu recours à plusieurs techniques pour essayer de contraindre les autorités à revoir leurs décisions. Seulement, dans leurs approches traditionnelles, elles n'avaient jamais envisagé cette approche juridique, cette approche de régler le problème en utilisant soit la loi ou bien en allant devant la justice. Et donc, notre intervention là-bas, au-delà du recrutement de ce qu'on appelle un cello, un paralégal, un parajuriste qui est issu de la communauté, notre travail a consisté d'abord à les sensibiliser sur les droits environnementaux que la loi leur reconnaît. Et en plus, à faire une analyse avec les communautés, bien entendu, sur les possibilités judiciaires qui s'offrent à elles afin de pouvoir challenger l'ensemble de ces projets qui sont dans ces communautés et leur faire l'exercice des libertés individuelles, des libertés associatives, etc., etc. Nous y sommes parvenus après quelques années parce que, grâce à nos interventions, les approches revendicatives ont plus ou moins changé. Autant la revendication était plus basée sur la passion, sur le sentiment, maintenant, de plus en plus, nous avons, grâce à ces efforts des communautés, à avoir une discussion objective sur les impacts réels de tous ces projets dans la localité. Et grâce à cette approche, on a pu développer plusieurs études sur les impacts environnementaux, les impacts sociaux, les impacts cumulatifs et les dangers qui se présentent pour les communautés. Et nous avons aussi fait des recommandations. L'outil le plus abouti dans la recherche de solutions est ce que nous appelons un audit communautaire. Donc, l'audit communautaire est une sorte d'audit, un document de diagnostic réalisé par la communauté avec notre accompagnement et qui consiste à renseigner tous les écarts normatifs constatés dans le cadre dans l'élaboration de ces projets-là et à apporter aussi des preuves objectives. Et donc, ce document d'audit communautaire a été produit durant pratiquement 2 ans. Nous l'avons terminé l'année passée. Et c'est ce document qui nous sert de plaidoyer pour le respect des droits humains et certainement qui va nous servir une fois que nous serons devant les tribunaux. Donc, ça, c'est un peu le contexte et les réalisations. Dans le cadre de ce travail, il y avait beaucoup de défis.
Le premier défi quand vous mettez en œuvre un processus d'autonomisation juridique, c'est l'autonomisation même du parajuriste ou bien de celui qui est préposé à la mise en œuvre de ce processus. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que nous recrutons les parajuristes dans les communautés, au sein même des communautés. Et il peut arriver que ce parajuriste ne soit pas, peut-être pas juriste, ou bien parfois n'ait pas des connaissances très poussées sur les questions spécifiques telles que l'environnement. Donc, cela requiert donc un long processus de formation de ce parajuriste afin que lui-même ait assez d'autonomie pour autonomiser la communauté. Au-delà de cela, c'est la traduction peut-être en langue locale du cadre juridique, ce qui n'est pas du tout évident parce que nous-mêmes, parfois en apprenant le droit, nous avons des difficultés à le comprendre dans sa langue originelle et vouloir le traduire dans une autre langue est un autre défi. Et le troisième défi que j'ai identifié, c'est que généralement, une communauté peut ne pas être consciente de son pouvoir. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir communautaire, c'est la capacité d'une communauté à s'auto-organiser et à pouvoir influencer sur les décisions qui les impactent. Mais parfois, dans une communauté, ils peuvent être en tout cas envahis par un projet, mais il y a tellement de scissions, il y a tellement de scissions, je dirais, entre les communautés, que ce pouvoir, on ne le perçoit pas. Et nous, dans notre contexte, nous avons eu parfois des difficultés à intervenir dans des communautés parce que tout justement, les communautés n'arrivaient pas à s'entendre autour de l'essentiel, autour de la nécessité de combattre un projet ou pas. Et parfois, cela peut être un frein à ce que nous faisons. Le dernier élément, c'est la durabilité des interventions. Qu'est-ce qui vous garantit que la formation que vous êtes en train de faire, vous pourrez, en tout cas, pourra être reproduit ailleurs ou bien, quand vous ne serez plus là, est-ce que la communauté pourra poursuivre cela. Nous, en ce qui nous concerne, comment on a essayé de répondre à ces défis, nous avons élaboré pas mal d'outils, déjà une stratégie de gestion des parajuristes, premièrement, mais aussi des outils de travail des cello tels que vous le connaissez, les case logs, les case tracking forms, etc., etc., que nous avons adaptés à notre contexte local. Et donc, l'ensemble de ces outils-là nous permet d'être au quotidien aux côtés des communautés et de nous assurer que leurs droits sont respectés. Alors, pour ne pas trop tirer en longueur, je m'en arrête là, tout en sachant que je reste ouvert à répondre à toutes questions irrelatives. Merci beaucoup. Thank you, Thadi. That was interesting. Merci, Thadi. In what you said and observé les similarités avec ce que tu as dit et ce que Aïcha a parlé. There was a difference, whereas Aïcha's work is centered around legal identity. Yours was to do with fishermen. Et là maintenant, avec le travail d'Aïcha, il y a aussi ce problème de l'identité, mais ici, c'est votre état et plus de l'essence de l'environnement. Est-ce que vos communautés sont des communautés de pêcheurs? Donc voilà, il y a cette distinction, cette différence entre votre intervention et celle d'Aïcha. Donc, il y a des similarités, mais il y a aussi des différences. Là, je dis merci vraiment pour votre intervention. Et je crois qu'il y a quelques questions et des commentaires. Donc, maintenant, on va lire ces commentaires avant de. Nous allons répondre à ces questions avant d'appeler mes centres de Jacqueline. Il y a une question. John Kama du Liberia qui demande comment il peut acquérir
une connaissance concernant les discriminations ethniques. Voilà, là, ça c'est la question. Depuis le Libéria, s'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question de John, parce que moi je ne sais pas comment répondre à sa question. Donc, comment on peut utiliser people, the Nubians that they're working with. So maybe we could get Aisha to respond to that question. Amy, there are two questions in French. Hi everyone, bonjour à tous. Il y a aussi des questions en français. Je ne sais pas, Amy, tu peux dire ça. Il y a une question ici, pardon. Ici de bâtiment. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien à Aïcha pour ce partage. Merci bien à Aïcha pour ce partage dans lequel je me retrouve car il y a une parfaite similitude avec nos interventions. Pour plus d'impact dans nos communautés, ne serait-il pas important de créer un lieu? Ok, pardon. Qui permet l'accès aux différents documents de nos interventions, surtout les réussites. I think I'll hand it over to you, Amina, and these are questions that I think this is directly to Aisha, and maybe she can take notes and prepare her responses. Pense que c'est les questions. Pour moi, ce sont les questions de Aisha. C'est à lui de prendre notes et répondre ça plus tard. Donc, Aisha, tu peux prendre note de ces questions. Et là, directement, nous passons la parole à. Alors, nous vous remercions. Bessane et Jacqueline pour la présentation. Merci beaucoup. Et nous vous remercions. Et nous allons, comme vous voyez déjà sur l'écran, nous allons partager l'écran de ce que nous voulons présenter. Nous pouvons aller à l'image suivante. Nous allons tout premièrement vous présenter nos communautés, comment elles se présentent avant d'aborder les défis auxquelles ces communautés sont confrontées. Voilà, comme vous le voyez en image, c'est une communauté qui, pour la plupart, sont installées aussi bien sur l'eau qu'en bordure de l'eau, c'est-à-dire au niveau de la berge, la rivière. Donc, leurs constructions sont faites en subibouti et un peu bien ordonnées parfois faute de moyens ou d'espace, sont un peu exigus. Donc, voilà une image de ces communautés-là. Dans la ville de Cotonou que nous vous présentons, ils construisent comme nous construisons sur la terre ferme, mais c'est sur l'eau et les maisons sont en hauteur, n'ont pas une fondation directe sur dans le sol, mais plutôt sur sur l'eau. Donc voilà une image qui présente un peu la communauté. Nous pouvons aller à la seconde image pour vous présenter également un contexte de la communauté, comment le commerce se fait, les petits commerces se font dans cet espace de vie. Voilà, elle a sa barque et elle a mis des marchandises dedans. Elle circule avec la barque devant les maisons et entre les maisons. Et qui veut, qui a besoin de quelque chose, s'approche d'elle, bien l'arrête pour l'acheter. Donc, voilà leur mode de vie, voilà le mode de fonctionnement. Nous allons passer à l'image suivante. L'image suivante qui montre toujours le cadre de vie. Voilà, pour se déplacer dans ces communautés, soit ils font des ponts artificiels en bois, faits en bois, soit ils utilisent la pirogue. Donc, eux, ils n'ont pas l'occasion de mettre les pieds sur terre pour se déplacer, mais se créer des canaux de circulation pour se déplacer
contrairement à nous qui avons dans les grandes villes qui ont des voies, qui utilisent des motos, des voitures et autres, c'est la barque qui est leur mode de déplacement ou parfois le pied pour passer d'une maison à une autre ou bien d'une concession à une autre. Voilà le mode de vie de cette communauté dont nous voulons vous parler. Et nous allons passer à l'image prochaine, au prochain image qui vous montrera également ce que nous faisons avec ces communautés. Alors, pour l'organisation GEI que nous sommes, nous donnons une formation aux membres de la communauté et parajuristes. Comme le précédent panéliste l'a dit tout à l'heure, il faut autonomiser celui qui veut autonomiser la communauté juridique. Donc, on leur donne des connaissances basiques nécessaires pour sensibiliser la communauté, donner l'autonomisation à la communauté. Donc, nous donnons des formations parajuridiques. Nous faisons des formations à des membres de la communauté que nous avons des volontaires pour faire la cartographie, le recensement des membres de la communauté. Nous donnons également des formations à des défenseurs de la santé communautaire parce que dans ces milieux de vie, il n'y a pas souvent l'hôpital. Quelles mesures ils doivent prendre pour éviter des maladies et quand ils sont malades, comment accéder facilement et à moindre au centre de santé, accéder aux soins de santé. Nous leur donnons des formations là-dessus et sensibiliser les communautés là-dessus. Donc, nous donnons des assistantes juridiques, des conseils juridiques aux parajuristes. Nous donnons également des orientations quand il y a des dossiers et des affaires qui méritent d'être orientés soit devant les juridictions, soit devant les instances administratives. Nous leur donnons l'orientation qu'il faut. Nous les appuyons techniquement pour rédiger les actes qui saisissent les juridictions ou les instances administratives. Nous ferons également des sensibilisations communautaires. Nos sensibilisations communautaires prennent souvent trois formes. Nous faisons des projections vidéo pour sensibiliser les communautés et ces projections sont faites souvent les soirs, c'est-à-dire la nuit, où on a la chance d'avoir tout le monde à la maison, aussi bien les hommes, les femmes, les commerçants, les enfants qui vont quitter l'école. On a la chance de voir tout le monde à la maison. Nous choisissons ces moments-là pour faire les projections de vidéos pour leur montrer leurs droits et leurs devoirs dans la société. Autre chose que nous utilisons comme sensibilisation, nous faisons des présentations communautaires. Un parajuriste va prendre un sujet de droit. On va réunir les communautés et leur exposer ce sujet de droit. Quand on voit qu'ils sont en manque ou bien ils n'ont pas cette information, donc il fait la présentation communautaire. Il y a aussi les théâtres que nous utilisons pour sensibiliser. Nous venons également en appui à ces communautés en les aidant à faire du plaidoyer auprès des autorités quand certains de leurs droits, c'est-à-dire le droit violé en masse, de la communauté violée en masse, nous leur permettons de faire des plaidoyers auprès des autorités. Et ce que nous appelons fédération ici, nous n'avons pas qu'une communauté, nous avons les communautés que nous vous avons présentées précédemment, ils sont près d'une quarantaine dans tout le monde. Donc, nous les avons regroupés en ce que nous avons appelé la Fédération d'habitants des zones d'outils bidonville de la République du Bénin. Jacqueline, elle parajuriste, va vous présenter plus ou moins ce que les membres de cette communauté font pour autonomiser juridiquement les communautés. Alors, en tant que membre de la communauté et parajuriste aidant cette communauté, nous organisons à nous regrouper en groupe d'épargne ou bien à nous contribuer au bien-être de notre communauté. Nous faisons aussi, et par l'aide de Dieu, la petite vie nous donne des informations, des formations sur comment faire cette cartographie de services, des contacts de ces maisons. Ils apprennent ça, donc grâce à ça, on apprend ça. Nous, en tant que les parajuristes et les procureurs, nous sommes tous ensemble pour créer cette communauté là où il y a des difficultés. Nous faisons aussi des plaidoiries et face à cette communauté menacée par le gouvernement et par rapport à la formation de parajuristes. Donc, sans la formation, nous ne pouvons pas faire face à ces projets-là. Donc, face à ces
menace nous faisons des plaidoiries à l'appui des cartographies ou des profilages que nous avions fait pour appuyer la lettre ou la demande par rapport au gouvernement, par rapport aux institutions qui ont fait face ou qui ont menacé ces communautés-là. Nous faisons aussi des théâtres, comme l'avait dit M. Dessin, pour au moins sensibiliser les communautés sur ce qui se passe dans leur communauté ou par rapport à des fraudes ou à des menaces ou à des choses, à des problèmes que nous rencontrons dans la ville, les violations que nous ne savons pas, nous vivons donc par rapport à cette formation de parajuridique. En tant que parents, comme moi, nous les aidons à leur donner des satisfactions de part et d'autre. Donc voilà un peu ce que nous, en tant que la fédération, les membres de la communauté, et en tant que membres de la communauté, les parajuristes, nous faisons dans cette communauté. Merci, Madame Jacqueline. Nous allons continuer sur la prochaine image qui montre les. Par lequel nous allons commencer à parler, voilà, des images sur nos formations de parajuristes où c'est vraiment participatif. Nous ne le donnons pas directement, mais nous les laissons expérimenter ou bien s'exercer sur ce que nous allons faire. Donc, c'est pratique, c'est beaucoup plus pratique. Il est vrai, c'est théorique, nous leur donnons l'information, mais nous leur donnons l'occasion d'exercer et chacun passe à tout le monde. Nous allons passer également aux prochaines images qui montre aussi d'autres activités que nous menons. Nous allons passer aux prochaines images. Voilà, vous avez les deux premières images qui montrent nos formations, la formation du parajuriste, la formation du défenseur de la santé communautaire. Et aussi, vous allez voir dans des personnes alignées, c'est lors d'une sensibilisation communautaire en temps de crue, on est obligé parfois de passer dans l'eau, aussi bien les membres du staff du GIE que les volontaires, parajuristes ou défenseurs de la santé communautaire, on est obligé de passer. Voilà. Alors, nous allons vous montrer une carte, la carte là, qui parle beaucoup plus des différentes communautés. Vous allez voir les parties soulignées en rouge. Nous avons connu un premier déclassement de cette communauté parce que c'est le grand défi auquel ces communautés sont confrontées. Le gouvernement, sous le prétexte d'assainir la berge lagunaire, menace ces populations de quitter l'eau, de quitter la bordure de la berge lagunaire. Alors, il y a eu un premier déclassement en 2017, ce qui a attiré notre attention, nous n'avons pas compris. Et en 2019, le gouvernement, en juillet 2019, plus précisément, le gouvernement a envoyé ses émissaires monter sur le terrain pour pouvoir planifier le déguerpissement de cette communauté. Quand nous avons appris ça, nous avons écrit au gouvernement pour savoir quel est le plan. Parce que les lois béninoises exigent que tout un processus soit fait avant qu'on ne dégage les communautés. Alors, nous avons demandé aux autorités, à savoir le maire de la ville de Cotonou, le préfet et le ministre cadre de vie, quelles sont les mesures qui sont prises pour, à savoir le plan qui est fait, quelle communauté est concernée, quelles sont les études d'impact environnemental qui sont faites avant la planification du déguerpissement, quel est le plan de relocalisation, d'installation nouvelle, de relogement de ces communautés et bien d'autres choses. En principe, le gouvernement doit associer. You have 1 minute. 1 minute, please. Ah, OK. Round up. Donc, nous avons mené plusieurs actions, des actions de plaidoyer. Nous avons parvenu à écrire au gouvernement, etc. Dans ce cadre, il y a eu une formation qui a été donnée aux membres de la communauté de 72 heures, de quitter leur territoire de 72 heures. Nous avons produit une vidéo que nous allons vous faire voir tout à l'heure. Nous allons vous faire voir en 2 minutes. C'est une vidéo de 2 minutes. Je ne sais pas si on pourra, avec le temps qui nous est imparti, on pourra en parler. Voilà la vidéo. Ça parle de. Elle est intitulée Azant, c'est-à-dire 72 heures, qui nous a été donnée. Nous vivons depuis plus de, euh,
plus de décennies, plusieurs décennies, voire des siècles pour certains, mais on nous demande de quitter nos lieux, nos cadres de vie en 72 heures. Ça a été difficile pour les communautés, nous avons bataillé dur, mais finalement, de 72 heures jusqu'à aujourd'hui, avec nos actions, parce qu'on a tenu à la culotte aussi les autorités gouvernementales et municipales, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu être déguerpis, ils sont encore sur les pieds. Alors, nous avons également un groupe d'équipissement qui est intervenu à la bordure, sur la berge, dans le marché de Dantopa, et dans les marchés de Dantopa et de Nisemo. La même bataille a été faite, mais malheureusement, beaucoup de femmes, plus de 800 femmes qui vendent des produits halieutiques au bord de cette berge, ont été déplacées. Elles n'ont pas été relogées dans un autre marché. Elles utilisent des emplacements de fortune maintenant où il n'y a pas de hangar, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. Quand il pleut, elles sont laissées à leur propre sort et nous continuons la bataille dans ce sens pour qu'elles soient relogées dans un marché. Nous allons passer au prochain image. Alors, nous avons certainement sauté des images. Alors, voilà plus ou moins la bataille que nous avons menée avec ces communautés pour qu'elles ne soient pas déplacées de leur cadre de vie, de leur lieu de vie, pour qu'elles y sont installées depuis. Voilà, quand ces femmes étaient déguerpies, elles étaient laissées à leur propre sort, il n'y avait pas de hangar, vous voyez clairement, elles sont avec leur marchandise, il n'y a pas de hangar, il n'y a nulle part où elles vont aller s'installer. Elles subissent le même sort depuis 2019. 2019, à ce jour, nous continuons de rencontrer les autorités pour qu'une solution leur soit trouvée, mais la solution n'est toujours pas trouvée, mais le dossier, comme cela se doit. Et voilà plus ou moins la bataille que nous menons avec cette communauté, parce que tout le monde a un droit à un lieu de vie, à un logement, et ce droit-là ne peut pas être reconnu à certains. Et d'autres vont être discriminés par la France. C'est l'objet, les raisons de notre bataille. À ce combat, nous nous remercions, nous présentons nos excuses. Nous avons égrené sur et merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes ouverts pour toutes questions de compréhension. No, you actually haven't gone over time. Thank you actually for keeping. We're just looking at the time it's going and we still have another round, so you could still add on. And so those that went over will reduce that. On a probablement débordé dans les temps. Mais peut-être nous allons revenir à vous après. Oui, merci pour votre message. Et dans votre message, vous avez envoyé des images. Donc vraiment, ces images-là montrent vraiment ce que les gens sont en train de vivre sur les communautés. Et ici, dans ton message, dans votre message, j'ai aussi observé une similarité avec le message des premiers intervenants. Et là, je dis que vraiment, ton travail est vraiment excellent parce que tu as réuni les images, tu as réuni les vidéos, tu avais réuni tous les moyens possibles pour votre présentation. Et ici, nous voyons seulement depuis trois participants comment les choses se passent. Et nous sommes vraiment bénis seulement par les trois participants. Et peut-être prochainement, nous allons vous accorder beaucoup de temps pour continuer votre exposition. Et là, nous allons donner la parole à Daphné. Daphné et Evans. I guess I can go on and I think indirectly there's been ici, je vous salue d'abord. Je suis Daphné Lariba.
the time lost, you know. I'll try my possible best and then je vais essayer de faire ma présentation et voir comment je vais aussi répondre aux questions. Je vais être très bref dans ma présentation pour permettre de répondre aux questions. Et quand j'ai écouté les autres intervenants, la façon dont ils ont fait leur présentation, j'ai dit notre organisation est une organisation légale qui aide les communautés juridiquement. Municipalities. You have... Si nous voulons parler des pouvoirs décentralisés dans les municipalités, donc il y a différents niveaux dans les municipalités concernant les pouvoirs juridiques. Et leur travail, c'est de constituer les lois, d'écrire les lois pour les communautés. Et aussi notre travail, c'est de travailler avec ces communautés, les autorités locales établies dans les communautés qui écrivent les lois des communautés, et travailler ensemble avec eux. Et notre travail dans les communautés, c'est aussi dans le sens d'aider les communautés à accéder à l'information. Donc, leur aider à accéder à l'information et lorsqu'il y a aussi des problèmes de budget de l'État pour les communautés. Nous travaillons dans ce sens-là aussi pour que les budgets de l'État puissent être plus en compte, puissent considérer ou prendre en considération aussi les besoins des communautés. Et là, nous avons aussi un problème, des problèmes dans les communautés que les gouvernements ou l'autorité des communautés, l'autorité locale, pardon, qui veut associer les habitants ou bien les concernés des communautés dans les décisions de la communauté. Mais malheureusement, ils ne sont pas associés. Et c'est l'un des aspects dans lesquels nous travaillons dans notre société, dans notre organisation. Donc, nous sommes là pour éditer les communautés dans le sens que nous voulons avoir des gens qui seront des représentants des communautés, mais qui doivent être formés dans la formation juridique, c'est-à-dire nous les formons comme des para-juristes. Et là, dans les sociétés, dans les communautés, il y a plusieurs associations
Et nous voulons nous rassurer que dans chaque association, il y a une représentation des paragyristes avec qui nous allons travailler ensemble. Et utilisant maintenant ces paragyristes, notre organisation travaille maintenant en collaboration avec ces paragyristes qui représentent les communautés avec le gouvernement pour apporter les plaidoyers dans les communautés au niveau du gouvernement. Donc, le problème essentiel ici, c'est un problème d'éducation. Et là, ici, un autre aspect des choses que nous avons observé. Les communautés doivent normalement travailler avec le gouvernement. Mais ces communautés, pour qu'ils travaillent avec le gouvernement, ils doivent connaître leurs problèmes de communauté. Et je crois que c'est là notre rôle de nous jouons comme des médias, nous jouons comme ce rôle de médiation, c'est-à-dire dans le sens d'éduquer les jeunes de communauté qui sont moins éduqués à connaître comment travailler avec le gouvernement. Et ici, nous aidons en même temps le gouvernement parce que parfois, le gouvernement dévie dans leurs missions, les missions qui sont leurs pour les communautés. Ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. Et nous sommes là aussi pour aider le gouvernement à comprendre les rôles qu'ils doivent jouer en aidant les communautés à se prendre en charge. Et là, nous sommes là pour, comme j'avais dit déjà, comme les autres, ont déjà dit ça, nous sommes là comme un pont. Nous réunissons d'un côté, nous sommes au milieu entre le gouvernement et les communautés pour les aider à aller de l'avant par rapport aux problèmes qui les concernent. Par exemple, quand il y a un besoin d'une école dans une communauté, ce sont les membres de la communauté qui sont les premiers à exprimer ses besoins qui leur concernent dans la communauté, c'est-à-dire besoin d'une école, par exemple, primaire ou secondaire. C'est à eux de l'exprimer, mais parfois ils ont aussi ils ne savent pas comment procéder. Et voilà pourquoi nous sommes là pour les aider à parler de leur communauté, leurs besoins de communauté, par exemple l'école au niveau du gouvernement, c'est-à-dire nous allons jouer ce rôle-là d'intermédiaire. Donc là maintenant, ça nous aide quand même à avoir des bilans qui sont positifs dans les communautés dans lesquelles nous avons travaillé depuis un certain moment. Est-ce que vous êtes à m'écouter? Est-ce que vous m'écoutez? Donc là maintenant, notre méthode de travailler avec les chiffres, les statistiques, ça nous a aussi aidé avec les chiffres à l'appui quand nous travaillons avec le gouvernement pour les comptes des communautés.
Cela vraiment nous a beaucoup aidé à, c'est-à-dire avec les chiffres, il y a eu un changement, une amélioration des conditions, une croissance dans le sens du développement. Et un autre aspect des problèmes, c'est comme un défi que nous sommes en train d'expérimenter, nous, notre relation avec le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, parfois, nous accuse que nous sommes des organisations qui nous accusent auprès des communautés, ou bien des organisations qui travaillent pour leur accuser, c'est-à-dire de montrer qu'ils n'aiment pas les communautés. Or, notre travail, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là. Donc là, c'est un défi que nous sommes en train de vivre. Il faut que le gouvernement arrive à nous comprendre et à nous croire, à nous donner confiance. Et en suivant les interventions des autres, j'ai écouté quelqu'un parler de... ce que nous appelons les désunions entre les communautés. Et cet aspect des choses, nous les vivons aussi dans nos communautés ici, au Ghana. Donc, si nous voulons travailler pour l'amélioration des communautés locales, il y a un problème que ces communautés doivent s'entendre d'abord entre elles. Et dans, ici au Ghana, il y a des approches qu'il faut considérer, bien, il faut des voies à suivre. Si nous voulons vraiment travailler dans le sens d'aider les communautés locales, donc il y a une approche qu'il faut considérer. Et cette approche, c'est d'être, de ne pas prendre parti, se tenir d'un côté, c'est-à-dire qu'il faut être neutre. C'est cette approche-là qui va nous aider, qui nous aide d'ailleurs à aller de l'avant par rapport à notre mission. Merci beaucoup pour votre intervention d'appeler. Donc, si j'ai compris votre message d'appeler, vous formez aussi les paradigmes dans vos communautés qui travaillent main dans la main avec votre organisation et le gouvernement. Et là, j'ai compris que vous travaillez aussi ensemble avec le gouvernement. Pour comprendre aussi les mouvements, c'est-à-dire vers le développement ou le changement des communautés. Et l'approche que vous avez prise, j'ai aussi aimé ça, c'est une bonne approche d'être neutre entre le gouvernement et les communautés. Pourquoi? Parce que parfois, nos organisations ne sont pas, n'ont pas confiance des gouvernements s'ils observent que les organisations sont en train d'attiser le gouvernement. Donc voilà, votre approche est très importante. C'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose de très important que j'ai pu recevoir de votre message. Et là maintenant, je crois que la dernière personne que nous allons écouter, c'est Evans. Est-ce que Evans, es-tu prêt?
Oui, Evans, tu as la parole. I'll bring to us about a project called Mukuru Special Planning Area. Je crois que là, je présente of basic services in a slum called Mukuru. Je présente l'image du projet. A description of donc la description du projet Mukuru. Et je vais commencer avec la description du projet d'abord. OK. So, basically... Pour commencer, je crois que j'ai fait les images là-bas. Okay. Mukuru, c'est l'un des bidonvilles. Le quartier de Bidonville à Nairobi. Donc, c'est un, comme je dis, c'est un bidonville. Donc, c'est vraiment un grand, l'un des très grands bidonvilles qui regorge plusieurs milliers de personnes. Comme vous pouvez le remarquer, settlement is divided into three villages. We have il y a trois villages dans cette partie de Bidonville. Donc il y a trois villages comme j'ai dit. Donc il y a trois villages. Comme vous pouvez remarquer dans l'image, à l'image que j'ai. Juste les bourgeons maintenant pour voir l'image du vent. Discriminated in terms of access to basic services. Donc ici vous allez voir que les gens qui sont dans ces bidonvilles sont très expérimentés de discrimination parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau potable, comme vous pouvez voir dans l'image. Donc il n'y a pas de l'eau potable que le gouvernement a présenté. Il n'y a pas un environnement qui est clair et qui est pardon, un bon environnement. Un environnement qui est pollué. Donc là, comme l'environnement n'est pas bon, ça affecte aussi la qualité de l'eau qu'ils sont en train de boire. Donc, passons maintenant à l'image suivante. We can move on to the next slide. L'image suivante. Donc, ici, nous avons un problème de sanitation. Et vraiment, pour la sanitation n'est pas bonne. Donc, l'observation, c'est que concernant la sanitation, il y a des toilettes publiques. Ils sont partagés une toilette avec 100, plus de 100 et 3 personnes. Donc, vous avez des problèmes de vidange de ces toilettes. Donc, que les toilettes sont remplies, ils doivent appeler les gens pour venir vider ces toilettes. They call it a name like an ambulance. These people who carry. So you move around Mukuru. Donc, quand vous observez les environs de ces bidonvilles de Mukuru, vous allez observer que vraiment ce n'est pas vraiment un bon environnement. Et bougeons maintenant à notre image. Donc, les problèmes suivants, à part l'eau, nous avons les problèmes d'électricité. Illegal providers. Donc, vous allez observer ici à Mukuru, il n'y a pas une connexion officielle de l'électricité approvisionnant les bidonvilles, les quartiers bidonvilles avec l'électricité. Donc, il y a une connexion qui est illégale.
qui affectent les vies des populations. Parfois, ils tombent dans les pièges électrocutés et ils meurent parfois. Et l'autre défi ici, dans les bidonvilles de Mburu, il n'y a pas de route. Donc, ce que nous appelons l'urbanisation, il n'y a pas d'urbanisation. Les peu de routes qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire, ne sont pas entretenues. Alors, dans notre organisation Akiba Trust, Akiba Machinal Trust, nous travaillons directement main dans la main avec les habitants de ces bidonvilles, Mburu. La première chose que nous faisons, nous essayons de collectionner les dates et les chiffres dans différents domaines. Et quand nos collectionneurs se statistiquent dans différents domaines, et là, nous allons comprendre combien de gens que nous allons former dans le domaine des parasitistes. Nous connaissons combien de gens que nous allons former dans le domaine de l'éducation économique. Nous avons commencé à travailler avec le gouvernement. Et sur base des informations que nous avons eues, nous étions en mesure de travailler avec le gouvernement pour présenter les défis que présentaient les bidonvilles de Mburu au gouvernement. Et nous avons dit que c'était un environnement qui vraiment avait besoin de développement. Et nous avons joué aussi un rôle de pont entre les habitants de Mburu, de bidonville Mburu, avec le gouvernement. Et pendant 2 ans, on a travaillé avec ce gouvernement. Nous avons aidé pendant la communauté à travailler ensemble avec le gouvernement. Et là, c'est depuis là que nous avons, il y a une déclaration commune qu'on a appelée Déclaration de Mburu kwa Jenga, Mburu kwa Ruben et Diwadini. Donc voilà, c'était ça la déclaration qu'on avait écrite après 2 ans de travail avec le gouvernement. Sorry, I think I lost Evans. Oui, il y a un problème de communication avec Evans. Yeah, we can't hear him. Il y a un petit problème de communication. Please adjust your sound, we are losing you. Est-ce que Evans, tu peux un peu arranger ton son? Essaie d'arranger le son de ton côté, Evans. OK. Amy, can you hear me? Moi, je peux vous écouter maintenant. Oui, je peux vous écouter maintenant. So after sitting together with the county, the bigger question, the bigger elephant in the room was, how are we going to ensure that we bring all the 400,000 people together to engage? Il y avait un problème. Une grande question qu'il fallait répondre. We proposed to the county government. La question était comment? Community participation and sensitization. Comment arriver à améliorer les conditions de vie dans cette bidonville qu'on appelle Mburu? Et la question de comment, par rapport aux statistiques que nous avions, nous a permis
d'établir les points de travail concernant d'abord les maisons à construire. Fallait construire les maisons et structures qui seront dignes. Donc là, maintenant, on a essayé, on a réussi, pardon, à mobiliser les gens de la communauté, les gens des trois villages. Et nous avons mobilisé les gens qui étaient prêts à travailler dans ce sens-là par rapport à la planification, au processus de planification. Et dans la planification, ce sont les gens des communautés qui devraient être associés pour planifier concernant leur communauté. Et là, notre organisation a aidé seulement à les éduquer, comment faire la planification, comment organiser les choses. Et nous sommes arrivés à les réunir, discuter avec eux, comment nous avons posé la question, comment, dans quelle forme et structure est pour leur communauté. Des structures qui devraient répondre à leurs besoins par rapport aux problèmes qu'ils avaient, et des structures qui devaient les aider à résoudre les problèmes d'une façon définitive. Et là, nous étions toujours dans la position de médiation entre nous et le gouvernement. Et finalement, les gens des communautés étaient quand même arrivés au point d'établir des planifications par rapport à la communauté. Il y avait un problème d'espace qu'il fallait gérer. S'il vous plaît, l'espace n'était pas vraiment grand. Donc, il y avait des statistiques de tout le travail que nous avons fait. Et il fallait maintenant introduire les plans au niveau de l'environnement. Mais avant de présenter les plans au niveau du gouvernement, il fallait se concerter avec les organisations, les entreprises qui font la construction. Evans, you need to start rounding up. You have Evans, tu dois commencer à faire la sommation parce que les résumés, parce que ton temps est parti. Donc, le deuxième aspect dont je vais parler, c'est l'aspect des routes. Comme vous pouvez voir dans l'image, donc après des négociations avec le gouvernement était en mesure de fournir de l'eau potable à la communauté. Il y avait construction des hôpitaux. Il y avait des projets de connexion d'eau potable. Donc, les gouvernements étaient vraiment mobilisés à travers notre organisation. Il y avait la signature des mémorandums of understanding entre les communautés et les gouvernements. So we had to ensure and work around filing petitions to ensure that land reverts back to the community.
We can move to the next slide. Nous avons essayé de travailler dans ce sens-là, de protéger aussi la terre qui appartenait à ces communautés qui étaient menacées par le gouvernement. The role of the community was to do. Je voudrais dire que nous, comme organisation, nous avions un rôle à jouer, mais aussi la population, les communautés avaient aussi un rôle à jouer. Par exemple, quand nous pouvons faire le dénombrement des maisons, par exemple, nous ne pouvons pas faire ça, nous, ce sont les jeunes de ces communautés qui connaissent bien leur environnement, qui devaient faire ça ensemble avec nous. Notre organisation a aussi aidé beaucoup les jeunes à jouer leur rôle dans le sens des dénombrements. Donc, Evans, ton temps est parti, fini. Donc, merci pour votre intervention. Merci pour votre ce que vous avez partagé avec nous. Et là, je vois aussi des similarités avec ce que les autres ont déjà présenté. Les similarités sont comme les autres que vous travaillez avec le gouvernement. Merci beaucoup. Nous voulons maintenant rapidement revenir à Mason et Jacqueline. If they have anything else that they would like to share with us. Donc, we have, unfortunately, 3 minutes because I've been told we have. Remettons la parole à Mason et Jacqueline pour quelques minutes s'il y a quelque chose qu'ils peuvent nous partager avec nous. I believe you will share your slides with us. Merci beaucoup. Nous pensions que l'essentiel a été dit, même si nous n'avons pas tout développé, nous n'allons pas encore prendre le temps et nous sommes ouverts aux questions s'il y a des questions qui vont nous être adressées pour mieux comprendre quelque chose. Nous pensons que nous avons dit l'essentiel sur notre présentation. Merci beaucoup. Amina, yeah. Maybe. Yes. Okay. Alors, je ne sais pas si thank you. Si Leslie a traduit. Okay, so what we'll do non, now c'est to pas, just... c'est pas moi de vous traduire, c'est l'autre, c'est pas moi. Donc ici nous sommes à l'étape des questions. S'il y a une question aux panélistes, vous êtes libre de poser votre question. Si vous avez une question. Yes, I can start. Et s'il y a aussi des commentaires. There was one question. Il y a une question dans les commentaires. He responded in the chat box. Yes, it's in the chat box. Okay, yeah, fine. That was the only question in French. The rest are in English. Thank you. So there were a couple of questions in English, and responses were also have been made in the chat, in the Q&A section. How is Kenya taking bold steps to recognize and work with communities? Il y avait une question au niveau
WhatsApp qui posait la question de savoir est-ce que Kenya, le gouvernement de Kenya est quand même en train de faire quelque chose par rapport aux problèmes de l'environnement, aux problèmes que les populations de Bidonville sont en train d'implémenter. Je crois que la question était oui, Kenya est en train de faire quelque chose par rapport à ça. Et il y avait une autre question qui était posée par rapport au fait de d'apporter des solutions often creative solutions the very communities experiencing the injustices. I believe we probably don't have any solutions durables aux problèmes des bidonvilles. I do apologize. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y a aussi la question était aussi donnée et dans le sens positif. Donc, merci, je vous remercie. Then please register. We'd love to work and partner with you as we tackle injustices. Merci beaucoup si vous nous avez suivi et an email address that can si vous n'avez pas encore fait votre enregistrement dans notre réseau Ouest africain, faites votre vos enregistrements. Faites ça et ensemble, et ensemble, nous puissions travailler ensemble pour apporter des solutions d'ensemble de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, une fois de plus. Merci. Merci, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. À la prochaine, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. It was truly, it really was. Vraiment, c'était.